Salut, 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 c'est encore Francis Conan dans une vidéo réaction sur le concours de talent gospel Madjabou Talent qui se déroule actuellement en RDC et je suis de près cette compétition parce que c'est une occasion pour les jeunes gens de s'affirmer et de se faire connaître et aussi de s'engager dans une carrière solo d'un gospel. Et il y a eu plusieurs étapes et aujourd'hui je crois que c'est l'étape de la vie de Kouolesi. Et voilà, donc si je me trompe, s'il vous plaît, rectifiez-moi, c'est Kouolesi. Kouolesi, dans la vie de Kouolesi. Voilà. Donc, mais avant que je commence ma vidéo réaction, j'aimerais tout d'abord donner mon opinion générale sur cette manche. Je suis resté un peu sur ma faim. Parce que cette manche, pour moi, elle n'était pas bonne. Et une fois encore, ce n'est pas parce que l'organisation y a fait défaut, mais c'est parce que les chanteurs ou les candidats ne sont pas vraiment à la hauteur. Beaucoup d'entre eux ont montré des lacunes. J'ai eu du mal à choisir une vidéo pour pouvoir vous montrer ce que je pense de certains candidats, mais il a fallu que je sois sur mon récepteur jusqu'à au moins 1h30 avant de voir le premier vers, et je pense que ça sera le seul vers. Et pour moi, c'est pas une bonne manche, la qualité est vraiment basse et il y a eu beaucoup d'oranges. Et il y a eu très 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 peu de verbes, il y a eu beaucoup d'oranges et un lot inqualifiable de rouges. Et les oranges sont ceux à qui on a donné une chance de revenir. Donc, je n'ai pas pu faire une vidéo sur l'étape des oranges parce que je me disais que je savais déjà ce qui allait être dans le groupe des verts et c'est pour cela que je fais cette vidéo pour montrer la performance originale de ceux qui ont été peut-être qualifiés pour la manche des verts. Et voilà, on va commencer avec la sœur Grâce. C'est Grâce, Oui. ça va? Très bien. Oh, elle est belle ta robe. Voilà, cette sœur, elle a son nom vraiment, elle mérite son nom de grâce. Elle a une certaine grâce qui se dégage d'elle, un sourire, une onction. Vraiment, cette sœur vraiment a attiré mon attention. Et je n'étais pas étonné qu'elle soit parmi les gagnantes ou les gagnants, parce que elle a une certaine grâce. Et ce nom-là est prémonitoire, mais ça n'a pas été facile pour Grâce. On va l'écouter. Et je vais faire mes commentaires ou je vais donner ma réaction. Il y a quelqu'un qui aime le pan, mais aujourd'hui elle n'est pas avec nous, qu'on salue en Oui, ça c'est passant. Déby. Déby. Maman Deborah. Déborah. Que je salue Elle nous en manque passage. déjà avec ses fous rires. Comment vas-tu? Je vais très bien, Tu viens de quelle merci au commune? Seigneur. Je viens de la commune de Manica. Elle est très bien habillée. Tu as quel âge? J'ai Elle met 23 ans. la culture Ok, africaine j'écoute. en. Ouais, J'écoute. ouais, ouais. Ok, on y va. Elle fait la promotion de la culture africaine. Why? Where on You mend the broken heart. Comme je dis encore une fois, et je le redis, et il y a certains de ceux qui me suivent sur mon channel YouTube qui ont confirmé ce que je dis. S'il vous plaît, si vous voulez chanter en anglais, vous vous assurez que votre diction est bonne et il faut chanter, il faut répéter devant un anglophone. Et après avoir chanté, il faut lui demander s'il a compris. Parce que très souvent, avec notre accent francisé ou francophone, quand on chante en anglais, il est difficile, parce qu'on chante avec un accent français, donc il est difficile de saisir les mots. Et je le dis, je le répète, mais les candidats font toujours cette même erreur. On va écouter la sœur Grâce. Et ici, le problème, on ne connaissait même pas la gamme dans laquelle elle chantait. Vous voyez? Elle va de gamme en gamme. Regardez le keyboardiste, il ne peut pas jouer. Et en tant que keyboardiste, en tant que musicien,
j'ai été confronté à ce genre de spectacle. Vous répétez, si par erreur, vous ne répétez pas le dimanche, le même chant qu'on a répété le samedi ou le mercredi, la soeur ou le frère qui va commencer à chanter, s'il n'a pas le pitch, s'il n'a pas le pitch, il va vous mettre dans une autre gamme et vous êtes perdu. Et c'est ce qui se passe. La soeur, on ne se connaît pas, on ne sait pas dans quelle gamme elle chante. Non, c'est pas bon. Il a fallu que le keyboardiste lui impose une gamme. Écoutez le keyboardiste. Regardez comment. C'est un désordre. Regardez le keyboardiste. Hé, hey, mon frère, tu souffres. Voilà. Et là, maintenant, grâce est rentrée dans la gamme. Vous voyez maintenant? Oui. Chanter, ou même la voix. Un de mes professeurs de musique me disait, la voix est l'instrument le plus difficile. Parce que c'est vraiment compliqué. On peut jouer au keyboard, on n'a pas besoin, mais la voix, en fonction des moments, et là, la soeur a commencé d'une façon désastreuse. D'une gamme à une gamme, il a fallu que le keyboardiste lui vienne au secours en lui imposant une gamme. Encore ici, encore Daritz, d'où you are. L'anglais n'est pas ça. On continue. Encore ici, l'anglais n'est pas ça. Even when I can feel you are working, even when I can feel it, you are working. You never stop. Ok, ici vous voyez, comme elle chante dans la gamme. You never stop. Voilà. Donc vous voyez, comme elle chante maintenant dans la gamme, sa voix est en train de sortir. Et je me souviens, ce chant-là, je l'ai chanté. On a joué cela au concert de la sœur Minda Aleza pendant un concert de Deborah Lukalu ici à Atlanta. Et c'était une très belle expérience pour moi. Je connais ce chant parfaitement. Et donc, voilà. Donc, la sœur Grace a commencé avec d'une façon désastreuse, mais elle a fini par avoir la gamme. Merci beaucoup, Grace Mutoka. Grace Mutoka, retenez ce nom-là. Elle a eu un début difficile, désastreux. Et mais, voilà. Cette orange-là, oh Seigneur, son nom est vraiment la grâce. Son nom est vraiment la grâce. Sinon, dans une autre manche, cette orange-là aurait été l'équivalent d'un rouge, d'un carton rouge. Mais comme je le dis toujours dans ce genre de concours, quand le niveau est très très bas, les moins bons sont les plus bons. Ici, grâce, au moins son début a été désastreux, mais la fin a été bonne et je pense que les juges ont eu cette grâce-là de lui donner l'orange pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et par la grâce de Dieu, elle se retrouve à Kinshasa. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Et c'est une femme de prière. C'est une sœur qui prie. Et je respecte cela. Et que l'honneur soit rendu à notre Seigneur. Mais si c'était une autre manche, ça, cette orange-là aurait été un vert, un carton vert. Non. Cette orange-là aurait été un carton rouge, mais Dieu l'a transformé en carton vert. Et pour la prochaine étape, je salue. Que le Seigneur bénisse ses efforts. On continue.